Nous voulons recevoir les Gabonais et Gabonaises qui sont venus de Libreville juste pour le programme. We would like to receive and welcome those of you who came from Gabon just for this conference. Mon frère Barthélémy, on va lui passer la guitare là. Mon frère Barthélémy, il est venu exprès aussi pour le programme de Libreville. Les Gabonais sont où? Alors, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de guerriers ici et là. Glory be to the Lord. There are warriors here and there. Many warriors. Et on va bientôt, je le crois, inaugurer notre hôpital à Libreville. And I believe we will start mobilisons-nous pour qu'on achève la construction. On va passer la guitare au frère. La guitare, voilà, c'est un soliste du Seigneur. Vous reconnaissez, vous allez reconnaître le son là. Ça c'est pas. Voilà. This is it. Oh, tu peux. Création. Elohim, tu es particulier avec tes yeux de flamme de feu. Elohim, Yeshua, tu es le commencement de la création de Elohim. Tu es particulier avec tes yeux. Oh yes, kumama.
Alléluia. Alors, vous avez certainement quelque chose à dire, hein? Do you have anything to say? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Good evening everyone. C'est vrai qu'on est en train de travailler à Libreville sur la rédaction des dictionnaires bibliques. Ça fait 7 ans maintenant. C'est un travail de longue haleine. Parce que la particularité de ce dictionnaire, c'est qu'il est réparti en trois grandes parties. La première partie, c'est le dictionnaire. La deuxième partie s'appelle l'historique. Parce que dans cet historique, nous avons les revivalistes, les réformateurs, les pères de l'Église paganisée catholique, ainsi que des mots traitant des religions dites chrétiennes. Et la troisième partie ici, c'est, on appelle cette partie le règne. Ça nous parle d'abord du royaume avant le schisme, ensuite le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda, ensuite des prophètes. Donc c'est trois grandes parties. Maintenant, la particularité de ce dictionnaire, c'est qu'à chaque fois qu'un mot est défini, il y a comme un enseignement autour du mot. Voilà pourquoi ça prend un peu de temps, mais nous croyons que d'ici là, là le lien est disponible, les gens peuvent visiter. C'est dico-biblique.org. Donc c'est un peu ce qu'on fait avec tout ce qui se fait actuellement là-bas, des campagnes d'évangélisation de masse dans les rues, Donc c'est un peu ça. Nous croyons qu'il y a un réveil aussi au Gabon, compris pour nous. On a des élections présidentielles qui arrivent. On a besoin de prière. Amen. Et la construction de l'hôpital avance, hein, tu voulais en parler? Do you want to tell us more about the hospital? Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous sommes contents d'être là, parce que nous sommes une grande famille. Et le Seigneur nous a fait grâce d'être là, nous bénissons son nom. Et à l'hôpital qui est en train de se construire à Okolasi, je crois qu'il y a certains qui sont au courant. C'est un grand hôpital, le Seigneur a fait grâce. Pour que cet hôpital puisse voir le jour, le Seigneur a permis que les frères et les sœurs de certaines nations viennent au Gabon. Et le Seigneur a permis qu'ils apportent des médicaments pour les nécessités, en fait. Et dans les coulisses, il y avait des sœurs qui voulaient déjà œuvrer dans le médical. Et quand les frères sont arrivés, ça n'a fait qu'un déclic. Nous, le Seigneur a permis qu'on puisse, par sa grâce, construire le centre hospitalier à Okolasi. Et les frères ont commencé. C'est vrai que c'était difficile parce que c'est très grand. Ils ont commencé avec les fouilles et le rez-de-chaussée est déjà en train de voir le jour. On est en train de collecter les fonds pour couler la dalle. Le Seigneur fait grâce. Nous bénissons son nom. Et nous bénissons son nom par rapport à l'œuvre qui va se faire là-bas parce que le Seigneur, dans sa grande vision, a voulu que ça soit Okolasi. Pourquoi Okolasi? Parce que la majorité du peuple est pauvre là-bas et c'est difficile d'avoir des soins. C'est vraiment difficile. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait parce que ça va aider les frères et les sœurs, la population et permettre à ce que le Mashiach soit encore élevé dans la nation. Je crois que ça va susciter... Ça va faire un déclic par rapport à nos autorités qui ne veulent pas aider la population. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette œuvre et par son grand et puissant nom, cette œuvre-là verra le jour parce que c'est son œuvre. Amen. Et j'encourage vraiment les frères et sœurs qui ont à cœur le Gabon aussi de participer à cette œuvre, à la construction de cet hôpital. Et nous croyons que avant la fin de l'année prochaine, on va pouvoir l'inaugurer. Amen, amen. Bonsoir. Il y a plusieurs frères qui sont au Gabon qui nous suivent et qui voulaient qu'on chante ensemble un cantique qu'on aime beaucoup. Le cantique dit qui a le dernier mot au Gabon? C'est Yeshua qui a le dernier mot. Qui a le dernier mot au Gabon? C'est Yeshua qui a le dernier mot. Yeshua tient le Gabon dans sa main. Yeshua tient le Gabon dans sa
chemin, là où il n'y a pas de chemin. C'est Yeshua qui a le dernier mot. Alors ça dit qu'il ferait un chemin, là où il n'y a pas de chemin. C'est Yeshua qui a le dernier mot. Qui a le dernier mot, enfant. Yeshua qui a le dernier mot. Qui a le dernier mot en Europe. Yeshua qui a le dernier mot. Yeshua tient l'Europe dans sa main. Yeshua tient l'Europe dans sa main. Yeshua tient la France dans sa main. Il fait le chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est Yeshua qui a